J'ai vu que c'était le nouveau modèle
recyclées. Celles que j'ai prises sont entièrement en cuir vegan. Donc il n'y a pas de cuir animal. Elles sont 100% cruelty free, ce qui est pas mal. Et regardez. Ah. Donc, j'imagine que vous connaissez tous la tête des Stan Smith. Vous voyez, entièrement blanche, même la languette devant. Moi, c'est la taille 39, un tiers, parce qu'il n'y a pas de 39, c'est bizarre, mais il me va parfaitement. Ce qui est drôle, c'est pour faire un peu esprit green, genre le petit truc il est en raffia. Alors je crois que ça coûte une centaine d'euros. Ouais, je crois que c'est ça. Ce qui a marqué genre ah non, il n'y a pas marqué le prix, c'est bizarre. Enfin bref, ça coûte une centaine d'euros. Ça me fait un peu chier de me dire que je dépensais 100 euros dans une paire de chaussures que je kiffe pas plus que ça. Mais bon, quand elles sont portées, je trouve que ça reste élégant. Enfin, élégant, oui, c'est une paire de baskets. Mais moi, ça me fait toujours penser à des chaussures de bowling. Enfin, voilà pour la paire de chaussures. Il n'y a rien de transcendant, c'est vraiment du basic basic. Ça fait basic bitch. Mais bon, il faut ce qu'il faut pour travailler. On va passer aux habits. Non, avant de passer aux habits, je vais vous montrer mon seul achat chez Sephora. OPA, OPA, vernis à ongles. Puisque oui, quand on travaille dans une grande maison, c'est très important d'avoir les ongles faits. Et pareil que pour les vêtements, il y a beaucoup d'impératifs. C'est-à-dire qu'on a le droit qu'à des couleurs nude, donc des couleurs proches de la couleur naturelle de nos ongles. Manucure. Donc j'ai été obligée de me racheter un basic, un nude. Je crois que c'est la teinte, je crois. You're blushing again. C'est une sorte de rose ultra pâle, tu vois. C'est du rose ultra pâle. Parce que, en fait, moi, chez moi, j'ai que du noir, du rouge, du orange, du rose fuchsia. Des couleurs bien pétantes. Et j'ai pas de couleur nude. Oui, j'adore les couleurs. Et je sais pas pourquoi, mais je me suis toujours dit que le rouge c'était classe. Bah, apparemment, non. Et la marque Hobby, c'est vraiment une de mes marques de vernis préférées. C'est un peu cher, hein, parce que je trouve qu'ils ont augmenté grave leur prix, parce que je crois que c'est 18 balles. Mais ils tiennent vraiment bien dans le temps et sur les ongles. Parce qu'un vernis Hobby, c'est incroyable. Il y en a que j'ai depuis plus de 10 ans. Ils sont pas secs. Et franchement, si tu mets bien du base coat et du top coat, tu peux les garder 8 à 9 jours facile sur tes ongles. J'ai fait un autre petit achat. J'ai Calzedonia, votre boutique de collants. Matériaux 100% recyclés, made in Italy. Ça me fait rire parce que quand j'ai des choses à acheter, je vais souvent chez Calzedonia pour finir une tenue, tu vois. Et là, je me suis pris des chaussettes. Oui, tu vas me dire, il n'y a pas que chez Calzedonia, mais franchement, il n'y a que chez Calzedonia que je trouve des chaussettes qui tiennent bien et qui sont classe. Parce que regarde, en fait, j'ai pris deux types de paires de chaussettes, enfin, deux types de couleurs, des noires et des blanches. Les blanches, c'est pour les Stan Smith, donc des bases pour qu'elles soient invisibles. Et les noires, c'est pour mes derbies. Et en fait, dedans, il y a une bande antithérapante. Voilà, qui brille un peu. Alors, dites-moi, où est-ce que vous achetez ce genre de chaussettes autre que chez Calzedonia? Parce que moi, souvent, j'en cherche et j'en trouve pas. Et ça me
avec les Simpsons ou je sais pas, Penny, Bugs Penny. Moi ça me fait rire parce que du coup ça va pas du tout avec et ça casse l'effet classe. Ouais je sais, le diable réside dans les détails. Le diable réside dans les détails. Votre interlocuteur remarque tout le moindre détail. Et quand tu es dans un magasin de luxe, il faut bien présenter. Tous les détails comptent, même les chaussettes. On va poursuivre avec Sarah. Oui, je sais. C'est pas très bien, mais franchement, j'avais pas 400 balles à mettre dans un costume parce que je cherche un beau costume noir. Tu vois, un costume qui fait classe, pas passe-partout, mais qui est tout noir. Donc, c'est assez compliqué. J'ai des exigences même quand je m'habille simplement. Et dans la nouvelle collection, j'avais remarqué un ensemble. Mais il y a 2 semaines, quand j'y avais été, il n'y avait plus ma taille parce que je fais du L. Du L et du 40 en bas ou 42 si c'est un peu serré. Et j'étais trop contente parce que cette fois-ci, quand j'y suis retournée, parce que j'avais eu grave un coup de cœur, mais je te le montre, il y avait ma taille et j'ai pu l'essayer dans ma taille. Et j'ai trouvé ça trop beau. Regarde la beauté. Donc, en fait, ça va absolument rien rendre, tu verras mieux là. En fait, ce qui est cool vraiment, c'est la double matière et en plus, l'étoffe est vraiment épaisse, elle est vraiment qualitative, c'est une très belle coupe. Tu vois qu'au niveau du col, c'est doublé en satin, ainsi que les boutonnières et le revers à l'intérieur. Et il y a aussi un petit liseré au niveau des poches. Le reste est en coton assez épais, mais c'est un coton qui fait un peu, comment dire, satiné, enfin, c'est pas aussi satiné que le revers, mais disons que c'est une matière quand même qui est fluide, c'est pas une matière qui va se froisser, et il y a des épaulettes, comme là au final, sur celle que j'ai aujourd'hui, il y a aussi des épaulettes, c'est ce qui permet d'avoir un maintien et d'avoir les épaules bien droites, et franchement, je trouve vraiment qu'elle est vraiment sublime, et le pantalon qui va avec, les amis, le pantalon qui va avec ce petit liseré qui rappelle la veste en satin sur le côté. Tu vois, le pantalon, c'est un pantalon cigarette. Il est ajusté au niveau de la jambe. C'est pas un slim parce qu'il ne colle pas à la jambe. Mais il est quand même, il épouse la forme de la jambe. Et tu vois aussi le rappel de cette bande satinée. Tu vois, au niveau du haut de la ceinture, là, la poche. Et sur le côté de la jambe, il y a une braguette avec des boutons comme sur les pantalons de costume. Il a coûté 40€. C'est une taille L. Je crois que ce sont des matériaux entièrement recyclés. Il y a des poches à l'arrière, mais elles ne sont pas, enfin, c'est pas des vraies poches, c'est des poches d'ornement. Et vraiment, tu vois, le bas, il est vraiment resserré et je préfère ça. Je trouve que ça fait une plus jolie silhouette, c'est plus élégant que quand c'est pas teff ou évasé. Enfin, chacun ses goûts, mais moi je préfère. Et je trouve qu'il tombe merveilleusement bien. La coupe, la matière, encore une fois, j'étais bluffé. Du coup, je l'ai acheté. Et en complément, parce que je voulais vraiment un starter pack pour avoir de quoi me changer pour le premier mois, j'ai pris un autre pantalon simple chez Promode. Alors chez Promode, j'ai pris ce pantalon. Franchement, c'est l'équivalent de celui que j'ai pris chez Zara, mais beaucoup plus simple. Tu vois, il n'y a pas le liseré en satin et il coûtait un tout petit peu moins cher, mais pas non plus. Par exemple, tu vois, c'est 30€. Enfin, c'est pas non plus beaucoup moins cher, mais bon, voilà, en taille 40. D'ailleurs, la vendeuse a été trop mimes parce que j'en ai essayé un, bah, le même en 40. Il était un peu serré au niveau de la taille. Et elle m'a dit, il vous va nickel, mais si vous êtes un peu serré, je peux essayer de voir si en magasin il n'y a pas un 40 qui taille un tout petit peu plus grand. Et elle me l'a trouvé. Et du coup, c'était nickel. Il manquait genre 0,5 mm. Et bref, pareil, c'est une matière assez épaisse. Franchement, il tombe.
bien. J'étais étonnée de trouver ça chez Promode, parce que j'achète rien chez Promode. Pour moi, j'avais une vision que c'était un peu ringard. Et tu vois, des fois, tu peux trouver des petites pépites pas trop chères. L'étiquette Promode, je n'ai jamais acheté un fringue de ma vie pour moi chez Promode. Mais là, j'ai fait beaucoup, beaucoup de magasins parce que des habits de travail pas super chers, il n'y en a pas partout. Et je voulais pas non plus aller chez Stradivarius où ça ne coûte rien du tout. Parce que je voulais quand même des basiques, mais un peu qualitatives. Parce que j'avais été voir aux Galeries Lafayette, mais en ce moment ils ont rien. Et ce qu'ils avaient, c'était 500 balles d'ensemble. On va éviter. On va éviter parce que déjà j'ai pas eu ma première paye. Et de toute façon, je n'aurai pas une paye de ministre, alors. Et pour finir, il me fallait aussi des hauts. Parce que j'ai des chemises, mais j'ai aucune chemise entièrement noire ou entièrement blanche. Et cette fois-ci, j'ai été chez Mango. J'aime bien parce qu'il y a marqué « Designed in the Mediterranean, enjoyed all around the world ». Donc, designé dans la Méditerranée, mais on peut s'en réjouir tout autour du monde. En gros, on peut se les procurer tout autour du monde. Et j'aime beaucoup, par contre, Mango pour tout ce qui est basique, tout ce qui est un peu classique. Tu vois, genre les pièces go-to. Genre les manteaux un peu longs, basiques, les écharpes. Avant, quand j'étais plus jeune, j'adorais leurs chaussures. Et là, j'ai trouvé une fois de plus mon bonheur. J'ai pris une chemise blanche. Dans leur gamme, genre basique, genre 25 balles, tu vois, vraiment, c'est les basiques. Recyclé de polyester et c'est ouf, maintenant on voit ça sur tous les fringues. Je sais pas vraiment si c'est vrai ou si c'est que du greenwashing, parce qu'à force qu'on nous ment, on sait plus quand est-ce que c'est vrai, quand est-ce que c'est faux. Mais c'est vraiment vraiment un basique. Il y a, voilà, c'est pas oufissime, mais au moins ça me permettra de commencer avec le minimum syndical et je me rachèterai 2-3 trucs le mois prochain. Parce que bon, moi, je vais pas non plus m'acheter une garde-robe de... Enfin voilà. Parce que pour l'instant, j'ai signé qu'un CDD. Donc je sais pas si je serai reconduite. Et la deuxième chemise, qui coûtait 30 euros. Pareil, c'est dans les basiques. C'est cette chemise noire. Tu vois, y a rien. Avec la lumière, on dirait qu'elle est grise, mais elle est bien noire. Et ce que j'adorais, c'était... le détail au niveau des manches et aussi le petit nœud pour faire comme un col lavalière. J'adore. Pareil, je voulais quelque chose de très simple. Bah ouais, parce que en fait je suis quelqu'un qui adore les choses extravagantes, les paillettes, les couleurs, les motifs. J'adore les motifs et j'ai rien de très basique. Franchement, j'avais rien du tout parce que quand j'ai su que j'étais prise, je me suis dit merde, je vais faire comment au niveau des fringues parce que j'avais racheté un costume bleu marine, mais même le bleu marine t'as pas le droit. J'avais un costume turquoise et un costume rose que j'ai aujourd'hui, sauf que c'est full black et j'étais trop née. La meuf a bien trouvé un travail, elle a même pas encore commencé à travailler et elle est déjà en train de remettre en cause les principes de base. Hein. Non mais voilà, j'espère que ce haul vous aura plu. Je sais pas vraiment si ça vous a donné des idées. Parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi et qu'on vous impose une tenue pour travailler. J'avoue que des tenues aussi sévères et aussi des critères aussi stricts pour travailler, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Parce que d'habitude, je devais m'habiller classe pour mes anciens jobs. Mais en classe à ma manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas de tongs, pas de chaussures ouvertes, pas des tenues courtes, il faut pas venir en pyjama non plus, il faut porter des habits classe, mais là avec des critères aussi sélectifs, j'avoue que c'était la première fois. En tous les cas, quand vous verrez cette vidéo, normalement j'aurai déjà fait 2 jours de travail. J'espère pour moi que ça se serait bien passé.
Aventure.